ça filme. Pas la voir. Pas les cuisettes comme des cons. Séquence émotion. Oh la vache. La sans épithète, Stéphane, t'as vu? J'arrive pas, elle est trop grosse. J'arrive pas à l'attraper. Oh le bestiau. Bon, voilà, alors je viens de la mesurer. 66 cm. On n'est pas loin des 70. Hein. Alors là, c'est un poisson extraordinaire. Extraordinaire. Elle a la gueule, elle est déformée. Voilà. 66 cm. Là, il y a une bête extraordinaire. Donc vous voyez la mâchoire inférieure qui s'enfile dans la mâchoire supérieure. Vous voyez? Tu vois là ou pas? Très bien. Vous voyez que la mâchoire supérieure est fendue et la mâchoire inférieure s'enfile dans la mâchoire supérieure. Vous voyez comme ça.
Vous voyez là? Parfaitement. Regardez un peu cette bête. Fabuleux, hein? Énorme. On va regarder la largeur qui est là. Regardez la largeur du dos. Ça vous donne une idée de la puissance de ce poisson. Vous voyez la largeur? On dirait un saumon. Vous voyez les saumons quand ils remontent dans les... Là, on discute avec le caméraman pour trouver la meilleure position. Vous voyez, saumon, quand ils remontent à la rivière, au bout d'un moment, pas au début, ils sont argentés, au bout d'un moment, ils prennent cette couleur. Et la mâchoire, les mâles, la mâchoire inférieure, se déforme. Ben là, c'est la même chose. Vous voyez? Regardez un peu cette bête. Le ventre est jaune, c'est magnifique. Voilà. Regardez un peu la grandeur de cette truite. Regardez les battoirs qu'elle a, les grosses nageoires. Regardez un peu. Extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Voilà, il y a un petit courant, là, elle reprend des forces. Il y a un petit courant d'arrivée. Voilà, ça c'est des beaux coups de ligne. Hein? Voilà, donc là, la reprise des forces, Jean-Marc, il va trop baisser. On va la re-regarder. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Fais attention. T'as pied là-bas, c'est bon. Dangereux, hein. Tu tiens. Ça y est, je suis capable. Ouais, c'est bon. Il y a un trou, là. Là, elle a failli repartir. Hein. Parce que... Quand je fais le montage vidéo, je coupe, hein. En fait, quand je vous la présente, ça fait longtemps qu'elle est dans l'eau, qu'elle se refait une santé. Hein. Voilà. Allez, on la regarde encore une fois. Regardez un peu la beauté de cette truite. Voilà. Séquence émotion. Vous voyez la grosseur de la dipeuse, elle fait deux fois environ la grosseur de mon pouce. Et pourtant, j'ai pas des petites mains. Voilà. La largeur. Alors là, c'était quand même une sacrée truite. Hein. Voilà. Alors on a oublié de la poser. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà une truite de 66 cm. Donc je vous ai dit la dernière fois que
à cet endroit d'ailleurs, un peu plus bas. 60 mètres plus bas, la dernière fois j'ai décroché une. On a cassé une truite de 70. Il y a 15 jours de ça, vous devez vous rappeler, je pense. Une truite que j'ai estimée à 70 cm. Et aujourd'hui, ben, je viens de prendre celle-ci qui fait 66 cm. Donc on n'est pas tellement loin, 4 cm près. Donc bien entendu, je suis extrêmement content. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont monté un peu la rivière. On a l'impression que le débit est un peu plus puissant que d'habitude. Il y a un peu plus de puissance. Alors c'est pas facile. Sur le haut de la plombée, j'ai mis des plombs de zéro. Pour bien stabiliser l'appât au fond et ralentir un peu sa dérive. Sans draguer, bien entendu. Et là, effectivement, la dernière dérive que j'ai faite, ça pêchait pas mal. Et j'ai vu un petit ralentissement suivi d'une espèce de gratouillis. Mais alors, comme si le plomb de base, il frottait un peu le fond. J'ai ferré. Là, par contre, quand j'ai ferré, j'ai compris ce que j'avais. Voilà. Alors, un joli coup de ligne. Ce qui est dommage, c'est qu'on a oublié de la peser. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Voilà, 66 cm de bonheur. Eh bien, c'est le matin, on vient d'attaquer. Alors, ça commence bien. Donc, on va continuer sur notre lancée. Et avec un peu de chance, ça peut le faire. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, je vais vous faire voir la plombée que j'avais pour réussir ce fabuleux coup de ligne quand même. Hein. Je reviens tout de suite. Vas-y. Alors, je vous fais voir la plombée que j'avais pour prendre cette magnifique truite bécarde. Alors là, je l'ai prise à environ 18 mètres du bord, dans un courant où il vaut mieux pas tomber dedans, c'est extrêmement violent. Par environ 3,50 m de fond. Bon, un fond qui n'est pas tellement important. Alors, de l'hameçon au plan de base, j'ai environ 28 cm. Le plan de base, c'est un numéro 5. Donc, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1 et un 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Et comme vous pouvez peut-être voir, la plombée est extrêmement longue. Là, la plombée est immense. Voilà. C'est pas une plombée traditionnelle, pour des raisons techniques. Pour des raisons techniques, pour avoir un joli port de ligne et que la paille rase bien le fond, il ne faut pas mettre une plombée courte dans des courants très puissants comme ça. Mais enfin, ça, c'est des problèmes techniques. Voilà. Voilà, je voulais dire aussi que la truite... avec le copain, on est parti de la voiture tout à l'heure pour venir ici et j'avais oublié l'épuisette. Bon, on s'est dit, ça ira bien, on se débrouillera. Mais là, je vois qu'on a eu des très grosses frayeurs. Parce que la truite, j'arrivais pas à la prendre, elle est trop grosse. Alors plusieurs fois, elle est partie. Et finalement, j'ai réussi à l'avoir, mais je crois que la prochaine fois, quand je viendrai dans ce coin, je vais essayer de ne pas oublier l'épuisette. Ça serait quand même dommage de perdre un gros poisson comme ça. Voilà, bon, ben, assez parlé. J'ai du pain sur la planche et là, il faut que je continue à pêcher. Parce que là, on est au début du coup et on n'est pas encore arrivé en bas. Je ne reprends pas qu'elles font ça. Voilà, une truite bien proportionnée,
Toujours pareil, il a fait une touche extrêmement discrète. Hein. Voilà. Cette truite là. Là, je fais attention parce que c'est extrêmement dangereux là. Là, faut pas faire un faux pas hein, parce que là. Attends, je règle un peu la plombée. Ouais. Alors sur ce coup là, là, j'ai rectifié un peu la plombée. Hein. Sur le haut, j'ai rajouté un plomb de 1. Donc alors ça nous fait, si je me rappelle bien, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0. Voilà. Bon, ça va faire une sacrée plombée. Hein. Parce que là, je peux vous assurer que là, ça... Je sais pas si vous voyez derrière, là. Mais ça pousse sérieux. Hein. Là, je pêche dans un apic avec des remous. Là. On voit en surface des remous. Là. Alors, c'est extrêmement difficile à faire raser le verre au fond, parce que, bien entendu, dans ces remous, c'est difficile à évaluer. Hein. Et le gros problème qu'il y a sur ce coup-là, que je connais bien, c'est qu'on ne voit pas le fil. C'est-à-dire, quand je fais ma dérive, une fois qu'on lance, on ne voit plus le fil. Le fil fluo. En l'air, on ne le voit plus. Donc, on ne sait pas du tout où on est. Alors ce que je fais, j'essaye de le regarder si je vois dans les arbres là-bas, le fil en face là-bas. Je regarde pas là, au ras de l'eau, parce que je ne vois pas. Alors je regarde au ras des arbres ou des fois dans le ciel. Pour réussir à voir à peu près où il est, où je me trouve. Alors en plus de ça, il faut raser le fond dans 4,50 m d'eau. C'est pas tout à fait évident. Mais bon, on y arrive. Hein. Allez, on recommence. Encore une truite d'un bon 50, peut-être un peu plus. Ouais. Et aussi pareil, cette puissance, celle-là, c'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose.
vraiment piqué sur le bord des lèvres. Hein. Voilà, alors encore une belle truite de 50 cm, pile poil, pile 50 cm. Donc une touche pareille, d'une délicatesse extrême. Il faut vraiment savoir que c'est une touche, parce qu'en fait le courant ici, ça fait un gros trou et le fil fluo en surface, il dérive très doucement, à l'extrême ralenti. Alors pour savoir si c'est une touche ou pas, c'est très difficile à détecter. Enfin bon, souvent les touches de grosses truites, comme cette truite de 50, sont bien entendu difficiles à détecter, parce qu'elles ne prennent pas la part en courant après, comme le ferait une truite. Elle. Voilà, bien encore un bien joli coup de ligne. Avec la truite de ce matin, ça fait 66-50. Commence à faire des gros poissons. Voilà, bien, je vais continuer ce coup et je vais voir si... moyen d'en faire une autre. C'est pas gagné parce que c'est difficile. C'est un coup qui est très lent, donc voilà. Pour arriver à mener une dérive ici, c'est un peu difficile, mais on y arrive. Allez. Un chevenne. Un chevenne, d'ailleurs. Il est gourmand celui-là, il a mangé vraiment un gros verre. Hein. Bon, bien voilà une journée qui se termine. Aujourd'hui, on a bien crapahuté avec le collègue. On a piqué des bonnes transpirées. Voilà, les truites ici, il faut se les mériter. Hein. Là, on vient de faire encore plusieurs kilomètres. Là, il faut qu'on retourne à la voiture. Et je pense qu'on a, ce soir, on va bien dormir. Pour moi, la pêche aujourd'hui, la pêche était très difficile. Parce que les truites ne mordaient pas tellement. Mais par contre, ça a été encore une matinée émotion. Parce que ce matin, j'ai pris donc la grosse truite de 66 cm. Hein.
Par contre, j'ai oublié de la peser, mais 66, ça, c'est un truc qui fait déjà son poids. Hein. Donc, je l'ai pris dans un coin dangereux. Bien entendu, elle avait une puissance phénoménale. Et elle voulait se mettre dans les enrochements, dans la pique, comme on voit là derrière. Hein. Donc, avec la canne, je me suis mis en face d'elle et en levant la canne au ciel, en tirant comme un malade, j'ai réussi à l'empêcher d'aller s'enfiler dans un rochement. Mais bon, il a fallu que je tire sur la canne, il n'a pas fallu faire semblant. Et le problème, c'est qu'on avait oublié l'épuisette. Alors, sans épuisette, dans un endroit dangereux comme où j'ai pris la grosse truite, ça n'a pas été facile de l'attraper à la main. Hein. Parce que bien entendu, c'est énorme, à la main, on ne peut pas faire le tour. Enfin bon, on est arrivé à la voir quand même, et vous allez sûrement voir sur la vidéo. Quand je ferai le montage, je découvrirai comme vous, moi que je vois quand je fais le montage. Hein. Pour l'instant, c'est sur l'appareil photo. Vous allez sûrement découvrir comme moi un poisson absolument fantastique. Hein. Voilà, donc un gros mâle, avec la mâchoire supérieure en V, avec un trou en V comme ça, sur le haut, et la mâchoire inférieure qui rentrait dans la mâchoire supérieure, hein, comme ça. Hein. La mâchoire inférieure, elle rentre dans la mâchoire supérieure. Donc c'était une bête splendide, hein, avec un four énorme, une gueule énorme. Alors la touche a été extrêmement délicate, comme une sorte de petit gratouillis. Et quand je l'ai piqué, donc elle est restée sur place. Quand je l'ai ferré comme ça, j'ai senti quelque chose, et je sentais des touc touc comme un... Comme si j'avais piqué un gardon, des petits coups de tête comme un gardon, un tout petit truc. Et en fait, c'est qu'elle est restée sur place, elle ouvrait la gueule, elle essayait, à mon avis, elle essayait d'expulser le verre, quoi, de souffler le verre. C'est pour ça que je sentais des petits tocs comme ça. Elle devait ouvrir la gueule puis essayer de le souffler. Quoi. Et le problème, comme l'hameçon était bien planté, eh bien, elle n'a pas pu. Et par contre, une fois qu'elle a compris, eh bien, qu'elle était prise, eh bien, elle est devenue méchante. Hein. C'est là qu'elle est revenue sur le bord, qu'elle voulait se mettre dans les enrochements. Et donc vous avez pu voir sur cette grosse truite aussi les capacités de la Garbolino Extreme Trout Light Saint-Brun. C'est pas à cause que c'est un modèle light qu'elle n'a pas de force. Hein. Au contraire, moi j'aime mieux les cannes comme ça parce qu'elles plient beaucoup, donc elles ont énormément de force. Parce qu'elles plient tout le long en fait, hein. Tout le blanc plie, donc ça donne de la force. Et comme le blanc plie tout le long sur 3,90 m, ça évite de décrocher les grosses truites. C'est-à-dire, ça amortit les gros coups de tête de ces grosses truites. Voilà, bon, pour cette grosse truite. Et ensuite, donc, j'en ai refait une autre de 50, là. Qui était jolie, d'ailleurs. Hein, très belle truite. J'en ai fait une autre 35, puis quelques autres. J'ai dû faire, je crois, 6 truites. Non, pas une grosse journée, mais... Une grosse journée en matière de grosses truites. Hein. La truite de 66, c'était, vous allez voir sur la vidéo, c'est phénoménal ce poisson, magnifique. Comme les vieux saumons, les saumons quand ils remontent dans la mer, les mâles, ils ont le bec en dessous qui rentre dans la mâchoire supérieure, ben, la même chose. Voilà, ben, maintenant il me reste à mettre ça sur l'ordinateur et sur mon logiciel de montage vidéo pour voir ce que ça donne. Ce que ça donne, voilà, bon ben on va se rentrer. Bah, les plombées, vous avez dû voir que j'avais des plombées quand même assez conséquentes. Hein. Là, vous voyez le débit derrière moi, je pense que vous devez entendre l'eau qui passe. Hein. Je ne sais pas si on entend, mais ça pousse. Hein. Là, c'est un endroit, on tombe dedans, on est mort. On est écrasé contre les rochers, on peut pas remonter, c'est impossible. Donc, bien entendu, il faut des grosses plombées. Mais malgré tout, dans des courants extrêmement violents comme ça, on arrive à prendre des truites, mais bien entendu, ça demande beaucoup d'expérience, ce qui est bien normal. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va rentrer à la voiture et je pense qu'on va s'arrêter à un endroit, boire une bonne bière, hein, Marco, c'est bien mérité. Hein. Voilà, parce que ça, c'est une journée fantastique. On a pris une truite un peu, pour nous, j'appelle ça une truite trophée. Hein. C'est un vieux poisson extraordinaire qui a un bec comme les saumons. Je pense qu'on a bien mérité d'arroser ça. Voilà. Bon, bien écoutez, je vous dis une autre fois. Et qui sait, on aura peut-être encore droit à une séquence émotion comme ce matin avec cette grosse truite. Mais là, on essayera de ne pas oublier l'épuisette. Parce que ce matin, on était mal, hein, Jean-Marc. Ouais, très mal. Je ne savais plus comment faire. La truite est partie plusieurs fois et c'est trop gros. J'ai essayé de l'attraper par la queue derrière, comme un saumon.
Mais le problème, la queue, elle est pas large comme un saumon, donc ça a pas tenu, il est reparti. Le problème, quand c'est gros, ben, on sait pas comment y prendre, c'est gros, on sait pas. Là, j'y suis arrivé, mais j'ai regretté d'avoir oublié l'épuisette. Bon, enfin, c'est brave, la prochaine fois, on essaiera de ne pas l'oublier. Voilà, bon, ben, eh bien, écoutez, je vous dis à une prochaine fois et merci de regarder mes vidéos sur Internet et les commentaires que vous ajoutez sont bien souvent bien sympathiques et bien agréables. Je vous remercie de tout ça. Je pense que le collègue qui filme arrive à faire des belles vidéos. Il arrive à avoir des bons cadrages et je pense que vous prenez plaisir à regarder ces vidéos. Voilà. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.